Et ici, ne perdons pas trop de temps. Tom Glasby, maintenant un super lourd. On l'appelle la bombe contre Vernon Linkletter. Glasby, c'est le géant. Oui, c'est ça. Glasby est passé chez la catégorie super lourd et c'est tellement un gros cogneur, un puissant cogneur, que ça peut être difficile pour Linkletter. Et voilà déjà un coup. Et pourtant, Linkletter, dans cette salle de Saskatoon, il a des partisans. Beaucoup de partisans, tous ses amis, sa famille. C'est un boxeur originaire de la Saskatchewan qui boxe maintenant en Ontario. Et il y avait la foule derrière lui, mais Glasby est tellement puissant, tellement fort qu'il n'a aucun respect pour Linkletter. D'ailleurs, a-t-il du respect pour que soit son adversaire? C'est pas arrivé souvent. Il a décidé d'aller chez les 91 kilos. Chez les plus 91. Il a subi une défaite contre un Cubain. Oui, c'est ça. Le champion du monde, Félix Savon, il s'est incliné contre lui par arrêt d'arbitre au championnat panaméricain. Mm-hmm. Et ça peut avoir influencé sa décision. Disons que le super lourd est actuellement plus accessible à lui, le titre de champion du monde. Le super lourd est plus accessible à lui que champion du monde. Bon, il a perdu contre Félix Savon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, présentement, peut battre Félix Savon? Il n'y en a pas beaucoup. Sûrement pas sur la scène de la boxe amateur ou boxe olympique. Et chez les professionnels, pas beaucoup non plus. Non. Alors là, il y a Vernon Linkletter qui, après avoir visité le plancher une fois, reçoit un deuxième compte. Nous sommes au premier rang. Glasby est très actif, ne semble pas être, n'est pas intéressé à ce que le combat s'éternise. Il sait que la foule serait en arrière de Linkletter si le combat devait continuer. Et dans son cas, lui, il veut finir ça. Tous ses coups sont durs et on voit les séries des deux mains. Linkletter a de l'air lourdeau, mais il peut frapper fort aussi. Oh! La droite qui est venue sans équivoque, et pourtant la foule qui commençait à ce moment a encouragé Linkletter. Ça a peut-être été fatal pour lui. Linkletter, justement, est passé en attaque et a rentré dans la main droite de Glasby. Et ça, on dit toujours en boxe, aller avec le coup et non pas contre le coup. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas de Linkletter. Déjà, il avait été effleuré d'une main droite et finalement, c'est la fin.